Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 20 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Saut quantique dans la grâce ». Saut quantique dans la grâce. L'écriture du jour est 2 Pierre chapitre 1, les versets 1 et 2. 2 Pierre chapitre 1, les versets 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. La Bible dit que Dieu donne plus de grâce. Ne vous contentez pas d'être au même niveau de grâce pendant trop longtemps. Continuez pour en savoir plus. Désirez toujours de nouveaux niveaux de sa gloire et de sa grâce dans votre vie. Dans notre verset d'ouverture, l'apôtre Pierre s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu et a dit « La grâce et la paix vous soient multipliées ». La grâce peut vous être multipliée, pas seulement ajoutée. Cela signifie la grâce et bien plus encore. Comment cela peut se passer? C'est par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le mot grec pour connaissance est epignosis. Et cela signifie connaissance exacte ou précise. Connaissance complète avec intimité avec l'objet de cette connaissance. Cela signifie que plus vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole, plus vous expérimentez des sauts quantiques dans la grâce exponentielle. Alléluia! Sans épignosis, votre grâce stagnera. Que cela ne vous arrive pas, optez pour plus de la parole de Dieu. Méditez les Écritures et la grâce de Dieu sera multipliée dans votre vie. Aussi, marchez dans l'humilité et l'amour. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde plus de grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, le verset 6. Avec une grâce multipliée, vous pouvez accomplir davantage pour le Seigneur. Sa beauté, sa gloire et sa bonté sont relâchées en vous et à travers vous, tel que l'impact sera ressenti sur tout et tout le monde autour de vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Grâce à une communion consciente et intime avec la parole et le Saint-Esprit, je suis amené à une connaissance ésotérique de Dieu et du Seigneur Jésus. Par conséquent, sa grâce est multipliée dans ma vie chaque jour. Cette grâce attire dans ma vie les bonnes personnes, les circonstances et ressources conformes au dessein de Dieu. J'expérimente des sauts quantiques dans la grâce, me prélassant dans des niveaux plus élevés de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Jacques, chapitre 4, le verset 6, et 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8, Jacques, chapitre 4, le verset 6, et 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79, 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.